François Duprat, l'un des dirigeants du Front National, un mouvement d'extrême droite, collaborateur direct de Jean-Marie Le Pen, François Duprat est mort ce matin dans l'explosion de sa voiture près du Havre. Tour à tour militant des organisations Occident, Ordre Nouveau, il était considéré comme un théoricien de l'extrême droite. Il était professeur d'histoire, il était marié et avait deux enfants. Quelques minutes avant 9h, le véhicule dans lequel se trouvaient François Duprat et sa femme explose. La voiture est déchiquetée, des débris sont disséminés sur une centaine de mètres. Monsieur Duprat, professeur d'histoire au collège de Caudebec-en-Caux, où il se rendait ce matin, est tué, sa femme est grièvement blessée.